Bonjour les Sagittaires, cette vidéo va vous concerner sur le mois de novembre 2019. J'espère que vous allez tous bien. Je tiens à vous remercier pour tous vos abonnements, vos messages, vos likes. Ça me fait très plaisir. Voilà. Bon, dans ce tirage, nous allons commencer par un général. Ensuite, on passera au sentimental. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour regarder votre petit conseil du mois, premier, deuxième ou troisième décan. Allez, nous allons prendre l'oracle G pour commencer. Allez, pour les Sagittaires, j'ai deux cartes qui tombent. On me parle de force. Il va y avoir une force qui va arriver pour vous. J'ai l'impression que vous vous battez dans une relation ou dans une situation qui vous tient à cœur. Allez. Pour les Sagittaires, novembre 2019, on vous parle de choix ici. Il va y avoir un choix qui va devoir être pris. La carte aurait été mise de cette façon. Vous n'aurez pas eu le choix. Vous n'aurez eu qu'une seule direction à prendre. Là, vous en avez deux. À vous de choisir. On a la carte de l'écureuil ici. Donc, si vous avez eu un petit peu des baisses au niveau du financier, on me dit ici que vous allez même pouvoir mettre un petit peu de côté. Il y a peut-être une somme d'argent qui va arriver pour vous. Donc, ça ne sera pas des 1000 et des 100, mais quelque chose qui vous fera plaisir, je pense. Ensuite, on a la carte de la pyramide ici, magnifique. On me dit que vous êtes en train de vous élever. Il y a quelque chose hein, qui arrive pour vous. Ça va être bénéfique. On la voit, hein, cette belle pyramide. Vous vous élevez. On me dit que ça prend du retard, ou du moins, ça a pris du retard. C'est une. Dans une situation, vous vous êtes senti un petit peu freiné. Mais la pyramide, elle est là, hein, en milieu de jeu, en troisième position. Donc pour moi, malgré le retard, vous allez quand même évoluer. Hein. Allez, une petite dernière carte. Et ben voilà, on vous parle d'été ici. On me dit que tout est en train de fleurir pour vous. Donc peut-être que c'est sur l'été aussi que ça a pris du retard et que là, ça y est, hein, tout s'enclenche. Pour certaines personnes, on va juste me dire que voilà, sur le mois de novembre, on a vraiment voilà un arbre ici qui est bien fleuri. Ça représente la carte de l'été. Donc pour moi, vous allez être quand même épanoui. Allez, on va tirer d'autres cartes pour pouvoir les recouvrir. Allez, sur le choix, qu'est-ce qu'on a? On a un voyage, un déplacement. Peut-être que vous allez devoir faire un choix. À propos de quelque chose, hein, d'un déplacement ou d'un voyage. Peut-être même choisir la destination, peut-être pour l'été, je ne sais pas. À vous de voir. Allez, le petit écureuil. Ah oui, alors là, on me dit qu'il y a eu quand même des problèmes au niveau des finances, mais ça arrive, hein. Ça, vous allez remonter la pente petit à petit, mais voilà. Au niveau des finances, ça n'a pas été le top. On peut me parler aussi d'un voyage qui va être prévu sur l'hiver. Ici, on a quelque chose qui s'est brisé. On a la flûte brisée ici. Ça vous a peut-être mis un coup hein, au début d'apprendre cette nouvelle. Ou alors vous avez eu peut-être quelque chose qui vous a chagriné. On vous dit que suite à ça, vous allez avoir une évolution, une élévation. Donc c'est un mal pour un bien. Après, tout dépend bien sûr du contexte. Hein. Alors ici, on a une jeune fille. Donc ça peut être votre enfant, ça peut être votre belle-fille. En tout cas, vous avez une jeune fille autour de vous, hein, et on vous parle de bien-être ici. Voilà, vous allez retrouver dans votre contexte familial un bien-être. Là, on a la carte du foyer. On me dit que ça va bien se passer au niveau familial dans votre foyer. Ici, on a la carte des finances qui ressort. Donc, j'ai vu peut-être des petits problèmes financiers qui vont se résoudre. On a la carte ici du chien. Donc, ça peut être aussi bon la fidélité, l'amitié. Et on a la carte de la consultante. Peut-être que, je ne sais pas, peut-être que des amis peuvent vous aider aussi dans des problèmes financiers. Vous me direz un petit peu en commentaire si ce tirage résonne en vous. Bien sûr, c'est des tirages qui sont généraux, hein. Il se peut que ça ne vous parle pas. J'ai d'autres vidéos que vous pouvez aller regarder, c'est-à-dire votre ascendant ou alors votre signe astrologique lunaire. Il faut vous renseigner un petit peu là-dessus. Pour toute personne qui souhaite une consultation avec moi, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Allez, on passe avec l'oracle des miroirs. Allez, pour les Sagittaires.
Allez, Sagittaire, novembre 2019. On a l'évolution ici avec la carte de la pyramide. Tout à l'heure, je vous ai dit quoi? Qu'il allait y avoir une évolution et que vous allez devoir faire un choix. Eh bien, l'oracle miroir nous dit la même chose. Il y a un choix à prendre ici. Il y a une décision, il y a une direction à prendre pour quelque chose de bien meilleur, hein. Ici, on a la carte de la distance. Donc, ça peut être aussi le voyage, hein. Regardez. Ici, on a les pays, on a le voyage. Peut-être qu'il y a peut-être, je sais pas, un voyage où vous devez prendre une solution. Vous devez prendre une initiative, peut-être, pour rejoindre une personne qui est éloignée géographiquement de vous. Je ne sais pas, hein, comment ça peut vous parler, hein, mais. Regardons la carte de la naissance aussi. Donc, on nous parle d'un nouveau projet qui peut être un peu plus loin de chez vous. On vous parle de jalousie, donc faites un petit peu attention à certaines jalousies que vous pouvez avoir dans votre entourage. Mais on a la carte des rêves ici, donc peut-être que vous avez peur de certaines trahisons, ça reste encore dans vos rêves. C'est peut-être vous, hein, qui vous illusionnez un petit peu sur les illusions, parce que on n'a pas forcément la trahison qui est là, on l'a, mais dans les rêves, voilà, vous pensez beaucoup. Suite à tout ça, on vous parle quand même de surprise de la vie. Il va y avoir un cadeau, une surprise de la vie pour vous. Et on a la carte de la famille ici. Famille et fécondité. Donc pour certaines personnes, peut-être que vous souhaitez tomber enceinte, avoir un nouveau bébé, tout ça, un nouveau projet. Ça peut être un projet qui est autre, hein, de vouloir un enfant, mais du moins, regardez, on a encore, après avoir mélangé les cartes, j'ai quand même encore le cadeau de la vie pour vous. C'est plutôt positif, hein, tout ça, hein. En tout cas, là, je vois un projet qui arrive. Je vois un projet, vous avez peut-être beaucoup réfléchi à ce projet et ça arrive petit à petit. Allez, on passe au sentimental maintenant. On va regarder les célibataires. Allez, les sagittaires célibataires, j'ai la carte du bonheur qui a voulu se retourner. Chance, amitié, pause et bonheur. Décidément, la carte du bonheur, elle voulait sortir. En dos de deck, on a la carte de l'automne ici. Regardez comme c'est beau. On a la chance, on a l'amitié, on vous dit que suite à une pause dans votre vie, il va y avoir un retour au bonheur. Donc peut-être que vous vous êtes laissé un petit peu du temps, hein, pour souffler, vous vous êtes retrouvé un peu célibataire, mais je pense que là, autour de vous, par le biais de certains amis, vous allez pouvoir faire une nouvelle rencontre, ou du moins il y a peut-être quelqu'un qui vous plaît sur la saison de l'automne qui va vous plaire et ça va vous apporter du bonheur parce que ce sera réciproque. Allez les Sagittaires. On a la carte de la jeunesse, la perfection et la maturité. Et on a la générosité ici. Donc pour moi, vous prenez, hein, quand même, hein, vous prenez un petit peu de maturité, les Sagittaires, pour atteindre justement une perfection. Peut-être que vous êtes un petit peu trop perfectionniste aussi. Donc essayez de, voilà, hein, de relativiser. Et ici, on a la carte de la jeunesse. Avec la carte de l'amitié, on peut même parler de moments qui peuvent être festifs, de sorties. Ça va vous faire du bien, les célibataires. Mais bon, n'oubliez pas que vous avez la chance sur une personne qui est proche de vous, hein. Il y a une personne qui est autour de vous et peut-être que vous êtes attiré par cette personne. Allez, nous allons passer au couple. Allez, les couples sagittaires. Méfiance, magie, amour envoûtant. Il y a beaucoup de méfiance dans votre couple. On a la carte du masque. Peut-être qu'il y a des non-dits. Peut-être que votre partenaire ou vous-même ne dévoilez pas vos sentiments. Pourtant, l'amour, il est bel et bien là, hein. On a quand même l'amour envoûtant, passionnant, et on a la carte de l'engagement ici pour vous les Sagittaires. Il y a quand même une notion d'engagement. Donc dans ce couple, je vois des méfiances, oui, mais regardez, il y a un engagement. Suite à un retard, on vous parle quand même d'ancre ici, hein. La carte de l'ancre, c'est la famille, c'est tout ce qui est ancré. C'est plutôt pas mal les Sagittaires. Allez, quel genre de couple vous allez former sur le mois de novembre? On a la générosité, on a la puissance du couple et on a la maturité. On me dit que vous avez la foi dans ce couple. Regardez, générosité, donc il va y avoir de la générosité dans votre couple. Je pense qu'il va y avoir une bonne entente aussi. On a la carte de la puissance de quoi? Du couple, on a deux personnes ici. Et on a la maturité. Vous arrivez
à peser le pour et le contre, vous arrivez à faire la part des choses, on me dit, sur le mois de novembre, il va y avoir une certaine maturité qui va faire du bien à votre couple. Allez les Sagittaires, nous allons regarder maintenant avec l'oracle lumière, qu'est-ce qu'on a pour vous? Pour les Sagittaires. On a la jeunesse, décidément, on a le soleil et on a la corne d'abondance et on a la carte de l'homme ici. Donc il se peut, donc si vous êtes une femme, on vous dit qu'il y a un homme qui est proche de vous et ça vous fait du bien. Là, on a la carte de l'ennemi. Donc faites un petit peu attention, oui, faites un petit peu attention aux amis de votre partenaire ou à vos amis à vous aussi. On a la carte de l'ennemi ici, donc peut-être qu'il y a des non-dits ou certaines personnes aussi vous jalousent, faites un petit peu attention à ça. Ici, on a la jeunesse, on a ce beau soleil, donc pour moi, vous allez être éclairé. Regardez, le soleil, on le voit qu'à moitié ici, hein, mais il est en train de se lever, il n'est pas en train de se coucher. Pour moi, ce soleil se lève et vous allez être justement éclairé sur le mois de novembre dans une situation qui était encore un petit peu floue pour vous. Et enfin, on a la corne d'abondance, plutôt pas mal. Donc, on me dit que même les finances vont remonter, hein, les Sagittaires. Si vous avez eu des petits problèmes financiers, ça remonte. Allez, on va voir un petit peu du côté des décans maintenant. Donc, on va faire premier, deuxième et troisième décan. J'espère que la vidéo ne va pas couper, hein, parce que je n'ai plus beaucoup de batterie. Oh, on a la carte de l'intuition. Vous allez avoir des intuitions, les Sagittaires, sur le mois de novembre. Vous n'êtes pas un signe d'eau, vous n'êtes pas forcément très intuitif, mais voilà. Pour certains, peut-être que vous allez avoir un peu plus d'intuition que d'habitude. Allez, pour les premiers, deuxième et troisième décan. Je vais vous prendre... non, je ne vais pas prendre le tarot de Marseille. Je vais prendre l'oracle lumière. J'aime beaucoup. Allez, pour les premiers décans, les deuxièmes et les troisièmes. Allez, qu'est-ce qui va se passer pour vous dans le mois? Pour les premiers décans, eh ben voilà, on a encore l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Votre intuition, écoutez votre intuition sur le mois de novembre. Hein. Oh, j'ai deux cartes pour vous. J'avais pas vu. On a l'horizon nouveau et le printemps. C'est le nouveau départ, décidément. Ces deux cartes, elles annoncent à peu près la même chose. Hein. Là, tout est en train de fleurir. C'est un nouveau départ, la carte du printemps et le nouveau horizon. Donc là, votre intuition va vous souffler des messages pour une nouvelle avancée, un nouveau départ dans votre vie. Donc faites attention les Sagittaires pour ça, hein, faites attention à vos intuitions. Pour les deuxièmes décans, on a la carte de la volonté. On vous dit soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Donc essayez de reprendre confiance en vous les Sagittaires. Peut-être que les deuxièmes décans, vous avez eu une petite baisse. Mais là, voilà, hein, ayez la volonté d'avancer. Et on a la carte de la chance pour vous, avancez. Essayez de reprendre les rênes, hein, de votre vie, hein, parce que là, la chance vous sourit sur le mois de novembre. Et enfin, pour les troisièmes décans, il y a eu des petits problèmes peut-être, hein, il y a eu des trahisons. Là, on vous dit disponibilité, rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Donc là, il va y avoir un changement suite à des trahisons. On a la carte de l'adultère ici. Donc peut-être que vous avez appris certaines choses. Les troisièmes décans, ça vous a fait beaucoup de mal. Ça vous a fait souffrir. Mais là, voilà, il faut vous rendre disponible pour autre chose. Soit un pardon, soit vous avancez dans une nouvelle direction. Mais il faut prendre justement, hein, ce message pour pouvoir avancer, essayer de vous aider de ces cartes, de ce tirage. Parce que là, même si vous avez vécu une trahison, on me dit qu'il va y avoir un changement à tout ça. Voilà, donc ne vous inquiétez pas de trop, les Sagittaires. Voilà, ce tirage est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Vous pouvez me faire un petit peu vos retours en commentaire. J'essaierai de vous répondre. Et que vous dire de plus? Si vous souhaitez une consultation avec moi, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Si je ne réponds pas, vous pouvez me relancer en m'envoyant un petit texto, hein, donc l'écrit, ce sera mieux pour moi que plutôt les messages vocaux, parce que des fois j'ai tellement de messages vocaux, quand j'en ai une vingtaine, j'ai pas forcément le temps, hein, de tous les écouter. Donc envoyez-moi un petit texto si vous souhaitez une consultation, et puis je vous souhaite un très bon mois de novembre.
Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.